Avez-vous été sage aujourd'hui ? Ah, très bien. Alors, vous allez pouvoir écouter le deuxième épisode du conte du chat botté. Le chat apprit que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Le chat dit à son maître : Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Sans savoir à quoi cela serait bon, le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait et se rendit à la rivière. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat se mit à crier de toutes ses forces. Au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. À ce cri, le roi fit arrêter son carrosse, mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat, celui qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât au plus vite secourir monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté les habits du marquis. Bien qu'il eût crié très fort au voleur de toutes ses forces. En réalité, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe : Allez donc quérir un de mes plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Le soi-disant marquis de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards, fort respectueux mais un peu tendres, qu'elle en devint follement amoureuse. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût aussi de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants. Thank you.
ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » En passant, le roi ne manqua pas de demander au faucheur « Dites-moi, à qui donc appartient ce pré que vous fauchez ?»« C'est à monsieur le marquis de Carabas !» dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage !» dit le roi au marquis de Carabas. Le marquis répondit « Vous voyez, sire, c'est un pré qui ne manque pas de rapporter abondamment, toutes les années. » Le chat, qui courait toujours loin devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut encore savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens que possédait monsieur le marquis de Carabas. Maintenant, que va-t-il se passer? Vous le saurez en écoutant le troisième et dernier épisode du conte du chat botté.